Comment ça va là? Mesdames, messieurs, il est temps de parler de cette pépite. Et je veux bien sûr parler d'un très très jeune joueur qui surpasse 99% des abonnés qui regardent cette vidéo. Et je dis bien abonnés parce que vous êtes évidemment abonnés à la chaîne, bien sûr. Non mais y a personne sur cette chaîne qui regarde des vidéos sans être abonné, bien sûr. Bref, voici certainement le gars le plus jeune joueur en vidéo sur Warzone et qui a un tel talent. Alors moi par exemple, j'ai commencé les FPS sur PC à l'âge de 9 ans, je crois. Bah je pense que j'ai commencé en même temps que lui. Sauf que lui, il a commencé encore avant. Il s'appelle Roddy, il a presque 9 ans et c'est déjà un pro du sniper. Et du coup, on va regarder ça ensemble, les gars. J'avais déjà vu des clips de lui avant Fortnite il y a très longtemps. Alors j'ai hâte de voir déjà ce que ça donne sur Warzone 2. Parce qu'avec le temps, il a certainement dû s'entraîner et devenir encore meilleur qu'il l'était avant. Donc hâte de voir ça. Bref, ça vous plaît, les gars. Des petites vidéos réactions par-ci par-là. N'hésitez pas à vous abonner. La cloche. Et allons-y, on est parti là. Ok les gars, on est parti. Le plus jeune joueur là sur Warzone 2. Et en plus apparemment c'est un putain de monstre sniper. Et il a fait top 1 dans cette game. Voyons voir ce talent. Let's go. Yo, what's up? Ah c'est son père? Oh là là. Mec, il doit être fier de lui en vrai. Mec, à 9 ans j'avais pas son talent moi. À 9 ans les gars, j'arrivais à peine à tenir une souris en main. Ok, c'est parti. On s'aspawn où là? Ça spawn dans un petit patelin là. On va chercher une prime. Il y a une prime sur lui, il va pas la prendre. Ouh, premier duel, c'est remporté sans problème. Est-ce qu'il joue manette? Oui, il joue manette. Donc il joue pas clavier souris. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, absolument. Quasiment 100% des joueurs jouent manette, c'est normal. Attention, premier duel de loin. Ah là, on a une petite arme de merde, il s'en rend compte, je pense. Aïe. Il va falloir aller chercher ce joueur sur la droite, c'est bon, c'est réglé. Oh là là, c'est dommage, putain. Ah, mais c'est fait chier. Il est trop mignon. Il y avait deux mecs en fait sur lui, il est trop mignon, mec. Attention, le goulag. Premier goulag du coup. Je vais regarder, logiquement, je vais regarder deux games, les gars. Et on chope ce joueur, c'est dommage. On a rechargé au mauvais moment, c'est bon. C'est un mauvais timing, c'est pas trop grave. Non, ça c'est le. C'est le jogger. C'est bon, c'est bon. Ah, il y en a encore. Ah merde. Mec, il va faire le 1v2 là. Non. Oh bah, GG à lui. GG à lui, il a été meilleur. En même temps, il a fait. Mec, il a fait le 1v2. Il a 9 ans. Attention, la balle de snipe. Avec le signal 50. Le signal 50, les gars, qui est d'ailleurs le sniper, le meilleur sniper du jeu là actuellement. Et par contre en face ils sont... Ah non ça va. C'est-à-dire ils sont naze de ouf. Oh attends, ils montent en slow et tout. Mec il est smart de ouf hein, le gamin. Il est plus smart que les trois quarts d'entre nous là. Oh dommage pour cette petite balle. La deuxième balle qui ne passera pas. Il y a beaucoup de balles ratées mais je vous rappelle les gars qu'il a que 9 ans hein. Et qu'à la manette en plus le sniper c'est pas si simple que ça hein. Voilà c'est bien joué ça. Très bon tracking par contre hein. Oh là là, mais mec, il est foudroi en fait. Hein. Il a 7 kills dans cette game. Et en plus, la solo, c'est pas simple. Hein. Je vous jure, la solo, c'est le pire mode de jeu, les gars. Je vous le conseille absolument pas. Hein. Top 8, on est dans... On a pris une bonne position. On s'est très très bien positionné. On descend, on prend le risque de descendre apparemment. Et attention, on s'est fait flanc. Ah, le mec à droite. Et malheureusement, c'est la 5ème place pour cette première game. Ah, c'est de... Oh, il avait 2 kills, le mec en face, putain. La sauce. Vas-y, deuxième game, let's go. Oh, la game qui pue du cul. Oh là, les serveurs. Bon. Même le gars... Mais attendez, non, mais les gars... Même le gosse, il se plaint des serveurs qui lag. Mais attends, mais il peut même pas jouer, là. Regardez-le. Non, mais attendez, c'est quoi, ça? Mais il demande à son père si lui aussi il lag. Attendez, c'est quoi, ça? Non, mais moi aussi, je voulais avoir une relation comme ça quand j'avais 9 ans. Ah non, mon père était pas sur un PC à côté de moi, les gars, hein, à cet âge-là. Mon père était juste... ben, juste pas là, en fait. Enfin, bref. La mauvaise ambiance installée. Let's go! Voilà, c'est un bon tracking, hein. En vrai, il propose quand même du bon gameplay, hein. Il est... Pour un petit gosse de 9 ans, il campe pas. Il avance, il prend des risques, il joue snipe. Déjà, il joue snipe. Déjà. Attendez, qui joue snipe sur Warzone 2? Les snipers one-shot pas. Bon, à partir de là, on a un petit sniper là au fond. Attention, on est quand même très très mal positionné. Et on tente les petites décales. Aïe, 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 ça prend des balles. Va falloir y aller tout doucement, à mon avis. Et c'est bon, c'est réceptionné. Et attention, qu'il y a encore des mecs là au-dessus. Là au-dessus, là au-dessus, oui. Oh là là, on se prend une grosse balle là. Ouh, c'est craqué de balle. Ah, en fait, tu dois pas. Quand tu prends une balle de snipe comme ça, tu dois pas continuer de pique. Après, là, il avait crack. T'es tenté de pique, je comprends, tu vois. Après, je vais donner à chaque fois la même excuse, mais il a 9 ans. Faut savoir être indulgent, les gars. Ah, ok, on a pris. Mais attends, il a déjà ses armes en or. Mais c'est un tryhard, le gosse. Il a ses armes en or et tout. Ça farm les skins. En même temps, il y a plein de gens qui ont leurs armes en or. Hein. C'est pas compliqué, mais bon. Là, j'ai l'impression qu'il a bien farmé quand même. Aïe 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 aïe, ça prend énormément de balles. On va devoir se plaquer, il est en train de rusher. On met une petite mine, c'est bien joué. Attention, il est sur la droite. Et on va peut-être utiliser la mine de dispersion justement. Ouh, c'est bien joué, c'est très bien joué. Là, on va essayer de mettre la petite balle de snipe dans le dos. 24 joueurs restants, et on va peut-être essayer de prendre la hauteur. La balle de snipe fait très très mal. C'est bien joué, et on va aller rusher les joueurs restants. 23 personnes restantes, il a fait top 1 dans tous les cas. Là, la balle elle est belle. Elle est belle, elle est belle aussi. Peut-être ça. Oh, c'était une tête ça. Voilà, voilà.
Ok, on n'arrive pas à connecter celle-là. Il reste combien de personnes? 7 personnes. Et on met des belles balles de slide depuis tout à l'heure. Et ça bouge pas. Ça, c'est un kill facile. Oh là là, on fait des kills faciles, hein. Les mecs, ils connectent toutes les balles là, par contre. Ah, dès qu'il a son snipe, c'est bon. Il fallait juste qu'il ait son snipe. C'est le SPX d'ailleurs, le snipe, les gars. Ouh là, ça va être compliqué. Il faut se mettre à couvert là. Ouh. Ah, j'avais pas vu qu'il avait pas de plaque quand il a fait ce move là. Mec, c'est chaud, hein. C'est vraiment ballsy, hein, de faire ça sans plaque. Hein. Là, on prend encore une balle de snipe. Putain, il y a plein de gens qui jouent au snipe solo en fait. Ouh, attends, c'est ballsy ce qu'il fait, c'est ballsy. Ça passe, deuxième balle d'affilée. Troisième balle, attention, ça ne passe pas. Entends-le. On va y aller au culot. Oh, il est dedans dans la zone. Let's go. Ah, il est tout content. Ah, GG. Ah, il a mis des... Ah, il est trop content, le père, c'est trop mignon. Ah, il est trop content, mec. Ah, il a une salle. Attendez, mais... Il y a un truc dont j'ai envie de vous parler, les gars. Attendez, il y a un truc dont j'ai envie de vous parler, là. Et, mec, le père... Les gars, sa pièce gaming, là. Le père, c'est le boss, hein. Là, il baigne le gosse dans le gaming directement. Il y a des néons partout. Vraiment, la pièce, elle est bien foutue. Son bureau, il a l'air nickel. Il y a une manette de pro-gamer, là. Ah, ça, c'est un futur pro-player, les gars. On va regarder, les gars, sa toute première game en solo. Et on va voir ce que ça donne. Apparemment, c'est sa toute première game, les gars. Ah, il joue avec son père? Oh, il joue avec son père? Oh, what? Mais mec! Mais c'est incroyable! Ah, le père! Le père qui joue clavier souris! Ça, c'est beau à voir! Moi, j'aime bien, moi, de voir ça. On n'est pas beaucoup avec clavier souris, ça va? Laissez-moi! Ah, ok, c'est bon, le petit qui arrive à choper le kill. Ah, mais attendez, mais ça veut dire qu'il fait. Ah, mais il trash talk! Je rêve! Non, mais les gars, trash talk, le gars, le petit de 9 ans, mais je rêve, attends, mais. Il est où? Ah, par contre, je suis choqué, je savais pas qu'il jouait avec son père là pour la première game. Non, mais what? J'ai trop envie de voir comment ça va se passer, les gars. Ok, il y a un mec sur la gauche, c'est bon, le père s'en occupe. Est-ce que. Non, mais attendez. Est-ce que si le père se foire, le petit il gueule sur son père ou pas? Est-ce qu'il peut l'engueuler? Est-ce que tu peux, à ce stade-là, engueuler ton père parce qu'il a foiré son duel? C'est vraiment. Attendez, j'ai. Peut-être qu'à un moment donné, le daron là, il va perdre son duel, il va gueuler. Ok, c'est bon, c'est bon. Non, ça va, ça se trashole pas entre. Entre père et fils, ça trashole pas clair. Ok, ils sont à 3 kills. 3 kills, 3 kills chacun. 3 kills chacun pour la première game, c'est bien en vrai. De toute façon, un mec là tout seul, on va aller chercher. Alors on va le chercher ensemble. Père et fils, main dans la main, let's go. Ok, il y a un mec là-dedans. C'est pas un bot. On arrive à le sortir sans problème. Il y en a un deuxième, on sait pas où il est. Oh, il est là. Le père s'en occupe, y a pas de souci. Le petit qui l'achève, c'est bon. Mais attends, c'est une équipe de luxe là. Ça, c'est une équipe qui peut faire la nuque, hein. Les mecs, ils font la. Imaginez, ils font la nuque ensemble. Il y en a deux devant, on va aller les chercher. À deux, attention, il est sur la droite. Le père qui se fait sortir, malheureusement. Oh, il est deuxième. Les deux qui se font sortir. Ah, le père qui a encore le goulag. Nice. Oh non. Allez, deuxième game. Même le père, il trash talk. Mais attendez, on est où? Ok, le père qui s'occupe d'un mec. Il y a trop de mecs ici, hein. Le père qui fait le goulag, il y a tout le monde qui est mort sauf le père là. Il est toujours au goulag du coup. Ah, c'est bon, il a pris la sacoche, il est bien. Les mecs sont sur la gauche. Mais il manque plus qu'un mec là au goulag en face, hein. S'il est de son mate, c'est bon, c'est GG. Voilà, c'est GG. Ok, on joue snipe du côté du daron. Le MCPR, les gars, il est pas dégueu en vrai. C'est pas le meilleur snipe, mais il est pas dégueu. Ouh, la belle balle. La belle balle dans le crâne du daron. Et le petit pour l'instant qui n'est qu'à un kill. Après les games Warzone 2, les gars, vraiment. C'est un beau shot ça, la MP5 de loin. Faut le mettre, les gars, ce petit shot. Hein. T'as assez de distance, gros, la MP5, what the fuck. Du coup, ça repart à 3 kills. Le daron qui a. Ouh, il y a déjà un down. On va essayer de l'achever. Oh, le jeu a crash pour prendre des teammates. Ok, le petit qui arrive à choper un kill dans les toilettes. Un gigara, attention, il est à l'intérieur. On a réussi à. Putain, il a bien joué, mec, hein. Il a bien joué de ouf, là, le petit. Mec, à son âge, j'avais pas son talent. J'étais pas aussi bon. En même temps, j'ai commencé les FPS à 9 ans, tu vois. Donc, j'ai commencé les FPS PC à 9 ans, mec. Donc, je pouvais pas être. Lui, je pense que ça fait au moins 3 ans déjà, hein, qui joue à Fortnite et tout. Hein. Ok, il y a deux mecs là-bas, on va les réceptionner. On l'a réceptionné à la TAC 56. Elle nous TAC 56. C'est bien joué aussi. Complètement perdu, hein, le mec à gauche. Putain, il a 8 kills déjà. Oh, il y en a même deux. Oh là là, mais il vient de faire un carnage, mec. Après, il a tenu une ligne, tu vas me dire, mais c'est quand même pas mal. Il y a un sniper là en face, oui. On prend des balles. Oh non, c'est dommage. Bah, il avait 9 kills, le gamin, déjà. Bon, les gars, fin de vidéo. J'espère vous avez kiffé. Petite découverte pour moi, même si je le connaissais d'il y a très longtemps, du coup, sur Fortnite. Mais je trouvais ça trop marrant. Je savais pas du tout que le daron était dans la vidéo, c'était trop marrant. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner, liker. Et on se retrouve sur Twitch, en live, Warzone 2. Allez, ciao tout le monde.